Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un Hello News 3. Donc, faut savoir que le dernier Hello News date du mois de février, les amis. Vous imaginez, ça fait hyper longtemps. Donc, au mois de février, je venais de rencontrer Yaya et tout. C'était la folie et tout. On a monté en vidéo, etc. Et là, à l'heure actuelle, comme avec Yaya, c'est terminé. Voilà, je préfère baisser le rythme de la chaîne. Je vais pas vous mentir, il va y avoir moins de vidéos. Mais le fait d'avoir moins de vidéos va me permettre à moi de pouvoir plus me poser. Et ça va pouvoir me permettre de développer un peu le montage au niveau des timelines, par exemple, pour mes séries Minecraft. Parce que vraiment j'ai envie d'améliorer ma série Minecraft principale parce que bah voilà Minecraft c'est mon jeu favori, je pense que vous aurez compris. Donc voilà, je veux que ça continue. Donc on va parler du planning, donc tout simplement. Donc le lundi, tout simplement, on garde le let's play sur Stardew Valley, car c'est un petit jeu posé au calme que j'aime beaucoup. Donc le lundi, commencement de semaine et tout, je trouve que c'est voilà, c'est assez sympa comme jeu. Le mardi, du coup, on reste sur du Minecraft, mais c'est l'émission de déco qui atterrira le mardi, que j'ai essayé d'améliorer un peu cette semaine, donc on verra un peu les retours qu'il y aura eu. Et le mercredi, tout simplement, on reste sur Beastworm Simulator, sur Roblox, parce que c'est un petit jeu que j'apprécie beaucoup, le système de quêtes, etc., de farming, ça me plaît énormément. Le jeudi, donc le jeudi, Best of Twitch, qui arrive le jeudi, donc sur Fairyland, donc l'aventure que je fais avec Shiro, je vous montre un peu notre avancée au niveau de cette survie tout simplement et au niveau des projets que l'on pourra y faire au fur et à mesure du temps. Donc le vendredi du Roblox, donc ça sera aléatoire, ça sera en fonction du jeu que j'ai envie de tester à ce moment-là, etc. Voilà, comme je vous ai dit, moi je suis, voilà, je suis quelqu'un d'authentique, j'aime bien tester un jeu parce qu'il me plaît et pas me forcer à faire un jeu parce que les gens ont la hype sur ce jeu. Donc ce sera en fonction de ce qui me viendra. Est-ce que j'aurais testé, qui me fera plaisir de vous montrer. Donc le samedi, on reste sur la survie Minecraft parce que c'est quand même mon let's play principal sur la chaîne. C'est ce qu'il y a depuis le début de la chaîne. Donc on est à l'épisode 38, donc voilà, ça commence à faire beaucoup. J'attends de voir s'il n'y a pas une autre version de la 1.14 qui va sortir. Mais pour l'épisode 40, j'ai envie de passer en 1.14 parce que j'aimerais pouvoir attaquer les usines que je pourrais faire en 1.14. Donc le dimanche, il n'y aura plus de vidéo. Sauf cas exceptionnel, de temps en temps, il se peut qu'il y ait une vidéo parce que bah voilà, j'aurais eu envie de vous montrer un jeu en plus ou quoi sur Roblox. Ou faire par exemple un tuto Minecraft, vous voyez par exemple, parce que bah voilà, j'aurais envie d'en faire un et que j'aurais eu un peu de temps sur ma semaine, vous voyez. Donc voilà, donc là on a parlé du planning vidéo, maintenant on va parler du planning des lives. Donc faut savoir que cette semaine j'ai pas beaucoup live parce que j'étais pas dans mon assiette, donc je préférais rester dans mon coin, poser avec les copains, à parler et jouer tranquillement sans avoir un chat à gérer par exemple, vous voyez. Donc je m'en excuse. Mais voilà, cette semaine, ça a été un petit peu, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai eu du mal à me booster pour faire les lives. Mais les lives ne s'arrêtent pas, vous inquiétez pas. Donc le lundi, tout simplement, sur du Minecraft. Sur Fairyland, bien évidemment, l'aventure qu'on fait avec Shiro. Le mardi, sur du Roblox, donc c'est aléatoire. C'est en fonction des jeux Roblox que j'ai envie de faire à ce moment-là et des copains qui sont avec moi. Le mercredi, donc, on reste sur du Minecraft. Donc ça sera Fairyland ou le Skyblock qu'on est en train de faire actuellement avec les copains. Le jeudi, pas de live parce que le jeudi, souvent, je suis en train de terminer mon épisode Minecraft, donc j'ai besoin à mort de temps le soir. Le vendredi, donc, sur du Minecraft, Fairyland, bien évidemment, pour pouvoir tout simplement avoir le contenu du best-of de la semaine suivante. Le samedi, donc, on reste sur du Roblox. Donc, les horaires de live sont toujours aléatoires, bien évidemment. La semaine, c'est souvent de 17h, 17h30 jusqu'à 19h, 19h30. Et le samedi, c'est très aléatoire, c'est en fonction de si j'ai envie de live l'après-midi ou le soir. Et le dimanche, pas de live, bien évidemment. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport au contenu des lives. Donc maintenant, il faut savoir que voilà, j'ai arrêté du coup The Forest après l'arrêt à Kiaya et Portal Knight. Mais je compte continuer les séries plus tard. Je reprendrai le let's play à zéro. Mais pour le moment, j'ai besoin d'en faire une pause et voilà, de digérer un peu tout ça et d'avancer dans mon coin tranquillement. Donc on va rester sur du Roblox et du Minecraft et Stardew Valley pour le moment. Resident Evil, j'étais bloquée dans le let's play. Donc pour le moment, je l'ai mis en stand-by. Mais dès que j'aurai repris le Resident 0 à 0 et que j'arriverai au moment où je me suis arrêté sur mon let's play, je reprendrai le record de cette série parce que bah ça me plaît l'univers de Resident Evil. C'est juste que je suis très mauvaise, comme vous le savez. Comme je dis souvent, je ne suis pas une pro player, je suis une pro noob player, hein, dans mon cas. Voilà, je pense que c'est aussi ce qui vous fait rire et ce qui fait certains rester sur la chaîne, etc. C'est que voilà, je ne suis pas quelqu'un de bon, mais j'essaie de faire du meilleur de moi-même et j'essaie de faire ça dans la rigolade. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est tout simplement, bah, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch si vous aimez un peu les contenus vidéo. Parce qu'en live, bah voilà, on peut parler directement avec vous. Et c'est ça qui est bien, en fait, d'avoir du retour en direct entre vous et de l'interaction. Ensuite, n'hésitez pas à rejoindre le Twitter pour permettre de partager la chaîne et de partager les vidéos. Parce que c'est important pour moi pour m'aider à avancer sur YouTube. Voilà, en tout cas, merci. Vous êtes 140 à l'heure actuelle à suivre la chaîne. Et enfin, je reviens pas.
On a bien progressé. Bon, c'est pas encore phénoménal, on va dire, mais je suis grave contente parce qu'il y a de plus en plus de retours sur les vidéos. Et ça, vraiment, je vous le dois à vous. Je le dois à mon travail, mais je vous le dois à vous parce que c'est vous qui êtes là à interagir avec moi, à commenter les vidéos. Et sans vous, bah franchement, la chaîne, elle aurait pas de sens, quoi, tout simplement. Donc, je vais continuer à faire du meilleur de moi-même et à essayer de m'améliorer au maximum en montage parce que vraiment, c'est ce que je veux. Je voudrais vraiment avoir des vidéos dont je peux être fière, en fait, vraiment, du travail qui est accompli derrière. Donc là, il y a du contenu, mais j'aimerais améliorer les montages. Voilà. Donc, en tout cas, cette vidéo va se terminer là parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire au niveau du contenu concernant la chaîne. Donc, n'hésitez pas à donner des retours par rapport à votre avis sur tout ce qui a été dit dans la vidéo. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour du Stardew Valley. Je vous souhaite un bon dimanche tout le monde et à la prochaine. Des bisous à tous.